avec le comédien qui avait tourné Napoléon et qui avait 80 ballets. C'était comment ? Dieudonné, c'est ça, oui. Là, il y avait une différence. Il y avait une différence. Mais c'était rigolo, quand même. Et est-ce que, vous, même Arnaud, est-ce que vous avez doublé des anciens films refaits, comme de Gary Cooper, je crois que vous avez... Non, moi j'ai fait du Gary Cooper. Oui, j'ai fait du Gary Cooper. J'ai fait John Wayne à l'époque. J'ai fait deux ou trois Gary Cooper. Je crois que vous avez... Mais je ne sais pas s'ils ont été doublés, j'en sais rien. Mais c'était quand même des vieux films. Doublés 50 ans. Enfin, ah, ouais, ans oui, je crois qu'ils avaient été doublés. Oui, mais attends, moi je l'ai doublé il y a longtemps maintenant, Gary Cooper. Mais vous ne le doubliez pas à l'époque, hein, vous étiez trop jeune, enfin je suppose. Oui, bien sûr. Je ne sais plus, c'était L'Homme de l'Ouest, et puis, L'Extravagant Mr. Jeans. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, oui, j'ai doublé ça quand j'avais... Je crois que c'est Le Cavalier du Désert. J'avais 40 ballets, à peu près. Ouais. J'en ai 68. Et vous, Arnaud, vous avez doublé des anciens films? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de doubler des films qui avaient été réalisés dans les années 50. Des films américains, américains, ou même un suédois, je crois. Et c'est très amusant parce qu'il faut retrouver un type de jeu... Et en même temps, il ne faut pas forcer quelque chose. C'est très intéressant parce qu'il faut trouver quelque chose qui est une justesse qui est différente de la justesse actuelle. C'est très intéressant. Et puis aussi, il y a toute une mode de redoubler pour des questions de son, pour que les gens puissent avoir du 5.1. On refait des versions régénérées. Et ça, par contre, c'est dramatique parce qu'on n'y met pas le même soin. Mais comme la Tour Infernale, qui a été redoublée récemment. Oui, mais on arrive même à des absurdités, parce que maintenant, ils payent des vedettes. Bon, ça mais ils ont fait faire une version, ils ont fait redoubler Superman. Oui. Superman exactement. Doublé par Arditi. Oui, combien oui. ils donnent à Arditi pour l'avoir? Puis ils s'en sont aperçus après. Oui. C'était moins bien. Alors finalement, maintenant, quand il passe Superman, il passe la version. Mais ils l'ont fait quand même. Oui. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était Arditi. Et après, on leur a dit, c'est Arditi. Ah oui. Il y avait beaucoup de doublages, Arditi. Ah, oui. Oh là là. Oui, on a vu des séries entières. C'est vrai, quand on entend la voix de... On voit Steve McQueen avec la voix de Jacques Thébault redoublé avec un autre acteur, c'est vrai pour les gens, en tout cas pour les DVD. Et ce qui est bizarre, c'est que la version télé, c'est Jacques Thébault. Bah oui, oui parce qu'il n'y a pas ce problème du 5.1. Oui, voilà. Le minimum du bon sens, c'est d'avoir les deux versions, parce que les gens veulent absolument avoir du 5.1. Le 5.1, ça sert c'est pour la qualité de Léon Vidéo, tout ça, je suppose. Oui, c'est pour avoir ce mixage particulier, mais c'est ridicule. C'est bien sûr. De l'époque, ils ne sont pas mixés comme ça. Ils n'ont jamais gardé leur couleur. Mais je... Ah. Pour finir avec ça, c'est aussi le droit moral et le droit patrimonial. On ne touche pas au droit moral. Et le droit moral n'existe pas aux États-Unis. Je vous rappelle que, par exemple, Angelica Houston avait fait un procès parce que les Américains avaient colorisé un film de John Houston. En France, elle a gagné, en Amérique, elle a perdu. Parce que le droit moral, ils ne connaissent pas. Et sur ces choses-là, je pense que le droit moral, en France, on devrait pouvoir imposer européennement qu'on ne touche pas à une œuvre pour la massacrer ou pour ne pas garder l'authenticité du créateur. Pour terminer peut-être avec vous en parlant de passer à Oui, finissons-en. Non, le temps tourne, hélas. C'est mon chien m'attend. vous avez peut-être une petite anecdote à nous raconter supplémentaire, amusante, ou qualité de travail particulier, je ne sais pas. Oh non, l'anecdote qui m'amuse toujours, moi qui me fait hurler de rire, parce que à l'époque je doublais Goldorak, mes gosses avaient... c'était 8 ans, j'allais les chercher à l'école. Oui, très souvent quand même. si, bien sûr. Et alors les gosses, évidemment, à l'école. Et un jour, je tombe à 5 dernières minutes où je fais l'assassin. J'imaginais pas une seconde que des gosses de 6-7 ans voyaient ça. Et je vais chercher mes gosses à l'école normalement, le lendemain du passage à la télé. Et puis, mes mômes muets, et puis je prends mes gosses, je m'en vais, je traverse la rue, il y a une petite fille qui traverse la rue, et elle me dit « Assassin !» J'avais cassé le lit, j'étais foutu. Bon, je sais pas, oui. Regardez les deux. On va peut-être remercier. Oui.
Patrick Béthune, donc on disait tout à l'heure, vous doublez Kiefer Sutherland dans 24 heures chrono. Alors comment s'est fait la rencontre vocale, si je puis dire? Ça s'est fait complètement. Ça s'est fait sur un casting, en fait. Il y a eu un casting de fait avec quatre comédiens qui avaient déjà doublé Kiefer Sutherland, qui a été doublé par plein de comédiens différents, donc qui n'avait pas en plus une grande notoriété, ce serait bien large, sinon. Il en a eu une au tout début, ensuite ça s'est un peu perdu. Quoi. Et c'est la série qui l'a vraiment relancé. Et qui, ça, je vais en parler après aussi. Même dans sa qualité de comédien, je trouve qu'au fil de la série, il commence à prendre plus de poids, à prendre plus de. Ça change. Et ça force de travailler aussi. Et donc, j'ai passé le casting donc avec quatre autres comédiens qui l'avaient déjà doublé. Moi, je ne l'avais jamais doublé. Et après, voilà, c'est pas subjectif. Hein. On double la première scène de la première saison. On passe ça devant les chaînes, les responsables et tout. Et puis on va prendre laquelle. Tu vois, c'est vraiment, comment il joue, comment le mec joue, enfin voilà, même la voix, c'est pas. Bah bref, donc j'ai eu la chance de le faire. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et puis depuis, lui, effectivement, sa notoriété est remontée, donc il commence à tourner un peu dans les 35, etc. Et donc ça c'est cool, je le double. Vous le doublez donc dans le film qu'il a fait avec Harrison Ford de Sentinelle, c'est Michael Douglas. Dans la Sentinelle, mais dans plusieurs, il a joué dans Talking Life, dans un autre téléfilm qui était très très bien, La Porte Rouge, je crois. Alors, expliquez-nous votre parcours à vous de comédien. Ouais, donc mon parcours de comédien, en fait, moi j'ai commencé par. Je voulais être comédien quand j'avais 15-16 ans. J'ai fini mes études, mes courtes études. Et là, j'ai commencé à faire un autre boulot, j'organisais des concerts. Voilà. Et puis, je voulais être comédien en même temps. J'ai travaillé avec Andreas Voutsinas, à l'époque, qui avait son théâtre des 50. Et là, je me suis fait la peur de ma vie. À chaque fois que je montais sur scène, il y avait Claude Brasseur devant moi, Dominique Sanda, et moi, j'avais jamais rien fait. Enfin, je me disais, allez, vas-y, improvise un truc. Donc, ça m'a fait tellement peur que j'ai arrêté immédiatement. Et j'ai retrouvé mes concerts avec grandes joies. Et puis après, j'ai fait ça pendant 5 ans. Sur jazz ou classique? Rock. Rock. Ouais. Le premier concert, c'était Neil Young, Paul McCartney, la tournée des Stones, 1976. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis après, une rencontre a fait que je suis devenu antiquaire. J'ai fait ça pendant 12 ans, 13 ans, donc toujours pas comédien. Mais t'es pas si jeune alors. Et donc, à ce moment-là, c'est à 38 ans que j'ai décidé d'arrêter les antiquités parce que ça donnait vraiment trop de. Je faisais vraiment de l'épicerie, ça m'énervait. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer d'y retourner à la comédie. On va voir, peut-être qu'à 38 ans, j'ai moins peur qu'à 18. Et je suis rentré chez cours Florent. J'ai fait vraiment une peur aussi parce que là, j'étais confronté à des comédiens qui avaient entre 18 et 21 ans, à peu près. J'y suis resté un an, alors je ne comprenais rien du tout à cette école. Et je suis rentré dans l'école du passage de Nils Restrup, où là je suis resté pendant un an et demi, où là j'ai vraiment découvert ce que c'était que la pratique et le plaisir d'en faire. Et en sortant de là, j'ai trouvé tout de suite une pièce dans laquelle j'ai joué, trouvé Lucie Cressida, Shakespeare. Et ensuite j'ai enchaîné des pièces pendant 5-6 ans. Et c'est aussi une rencontre fortuite avec un comédien qui faisait du doublage sur un plateau de théâtre et qui me dit, tiens, écoute, tu ne voudrais pas essayer? Oui, pourquoi pas. Et alors là, moi, je n'ai pas eu la chance du tout. C'est que moi, j'ai assisté pendant plusieurs mois. Ouais. Ensuite, on a commencé à me faire entrer dans les ambiances. Ensuite, on a commencé à me donner des petits rôles. Je te rassure tout de suite, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas 400 comédiens qui faisaient du doublage. Oui, il y avait 14 auditoriats jusqu'en 86. À partir de l'année 90, il y avait 1800 comédiens qui faisaient du doublage et on est passé à 102 audits. C'est-à-dire qu'on était un groupuscule et il n'y avait pas de série. Donc, ce qui explique qu'à l'époque, tu démarrais, c'était formidable. Quoi. Ouais. Tandis que maintenant, c'est noyé dans une masse. Je t'ai couvert. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. Et c'est vrai qu'on est très nombreux. Et voilà. Et c'est vrai que. Oui, et puis c'est pas aussi. Mais
il y a une technique et on demande une efficacité immédiate, donc on n'a pas le temps, enfin voilà, donc il faut vraiment du temps pour choper la technique, pour choper la confiance aussi, de se retrouver devant le micro, etc. Et donc ça a été un petit peu long. Et donc j'ai commencé à faire des petits rôles, et puis c'est vrai que je suis tombé par hasard sur ce casting de 24, et c'est vraiment 24 heures chrono qui m'a permis d'être reconnu un peu plus par la profession, voilà, nettement plus, et là ça a démarré comme ça. Voilà. Comment se passe le doublage de 24 avec son casting assez surabondant et son découpage très particulier? Le doublage se passe exactement comme pour une autre série. Hein. Alors c'est-à-dire qu'effectivement, on se prend, allez, on va dire, en gros, une journée. Hein, c'est moins quand même, moins speed que peut-être. On fait une journée de rôles principaux, en gros, une journée de second rôle et une journée d'ambiance. Voilà. Mais on travaille sur deux épisodes ou trois épisodes en même temps. Et d'une saison à l'autre, donc Jack Bauer a évolué un petit peu, enfin, c'est ce que je disais. Le personnage a évolué un petit peu, effectivement. Mais le comédien a évolué aussi. Et ça, c'est très agréable. Et vous, en fait, vous adaptez. Moi, j'ai évolué. Non, mais c'est vrai. Ce que je disais, c'est que plus on travaille, le meilleur on est, dans toutes les branches, dans toutes les professions. Un meilleur on est, en tout cas, la confiance s'installe, donc le lâcher prise, donc le jeu s'en ressent. On peut peut-être aussi évoquer, comme pour Arnaud, donc 24 passe d'abord sur Canal, ouais, puis sur TF1, dont vous en parliez tout à l'heure. Mmh. Donc il y a un nouveau doublage pour TF1. Il y a un nouveau doublage lorsqu'il y a des accents, évidemment, on gomme tous les accents. Donc les comédiens savent quand. Avec joie d'ailleurs, quand ils arrivent sur le doublage pour Canal, et qu'on leur dit tiens, tu vas prendre un petit accent, ça veut dire que je vais refaire tout mon rôle deux fois. C'est hallucinant, hallucinant. Donc vous avez double cachet. Pas moi, parce que moi j'aimerais bien, je vais peut-être venir avec un accent. Je comprends mieux pourquoi TF1 m'a interdit de travailler sur cette série. Oui. Mais vous, il ne vous est jamais arrivé pour TF1 malgré tout de refaire des petits bouts de scène. Si, des retakes. C'est-à-dire que oui, des choses qui effectivement à la lecture. Ah non, mais pour TF1, beaucoup, mais oui. On a des retakes pour TF1 en particulier par rapport à la version qu'écrit Philippe Lebeau. Où effectivement, non, ça c'est pas possible chez TF1. Bah, tu te souviens de la série Agence Tout Risque? Oui. Qu'on a doublé des années aussi, ça, avec Paturel et tout ça. Oui. C'était pour TF1, c'est ça? Oui. On n'avait pas le droit de dire. Attends, c'était des mecs d'une brutalité, d'une violence, d'une vulgarité énorme. On ne pouvait même pas dire va te faire foutre. Ouais. Même pas. Ni merde, ni rien, c'était le bon. Ouais, c'est hallucinant. Hallucinant. Mais il y a une anecdote comme ça. Moi, j'étais invité chez TF1. Au début de la série, on montrait les locaux et tout. Et je me suis baladé dans les locaux de TF1. Le mec avait des cartes spéciales, accès interdit et tout. Et en fait, il y a un étage avec des petits Audi. J'ai tout petit Audi, le mec qui est tout seul avec son écran. Et il a son cahier des charges et il a une tablette graphique. Et il peut enlever une bouteille de whisky qui traîne, il peut enlever une clope qui... Ah bon, sur l'image? Oui, sur l'image. Dans 24 heures, tu peux penser? Non, pas dans 24 heures particulièrement, mais tout, en fait, tout ce qui passe à l'image sur TF1 passe d'abord par cet étage. Mais il laisse Coca-Cola, par contre. S'ils ont un accord avec. Les Bouygues, c'est bien ce qu'il a dit. Une série ou un film, alors Série, film, documentaire, tout ce qui est diffusé. Alors maintenant, je ne connais pas le. Quand je te dis une bouteille ou une cigarette, je ne sais pas. Mais le mec a une tête graphique, il peut enlever un nom qui traîne, ou trop visible, etc. Donc c'est fou. C'est-à-dire qu'il y a. Il y a un exemple d'ailleurs, il y a un film avec Bruce Willis qui s'appelle Mon voisin, le tueur. Oui. Dans la version cinéma, je ne sais plus quel est l'acteur qui joue dans Friends, je crois. Matthew Perry. Matthew Perry est doublé par un comédien X dans. Emmanuel Curtis. dans le cinéma. Et TF1, quand ils l'ont diffusé, ils l'ont fait redoubler pour prendre le comédien qui doublait dans Friends. Puis on a ça aussi sur 24, nous. On a un comédien qui ne plaît pas à, je ne sais pas pourquoi, qui ne plaît pas à TF1.
ça arrive. Qui est doublé, donc. Non, je sais plus comment il s'appelle. C'est lequel? Quel rôle? C'est... Saunders? Non. Saison 3? Non, 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 il est là, il est sur plusieurs saisons en plus. Je sais plus le rôle. Le black qui... Lionel Henry sur TF1. Ah, Lionel Henry, voilà, Lionel Henry. Et Renaud Marc sur TF1. Voilà. Qui est la plus qui fait Wayne? Hein? Pas Wayne, Curtis. Curtis, voilà. Curtis. Mais alors du coup, c'est... Tu vois, tu me l'apprends. Je ne savais pas. Il le redouble, donc on refait. Non, l'héritage, justement, l'héritage. Alors là, Patrick vient de m'apprendre quelque chose. Ouais. Mais ce genre de choses dont il parle, c'est retech pour TF1, ouais. Je n'en suis même pas informé. C'est-à-dire que je ne sais pas par quel mot il remplace quoi. Toi, ça ne te regarde plus. Ça ne me regarde plus. Enfin, quelque part, c'est moi l'auteur. Non, ça ne te regarde plus. Non, je le dis dans le fait, ça ne te regarde plus. Mais pas dans la. Totalement. Pas dans le. C'est l'irrespect total du droit de l'auteur. Ah, mais je ne sais même pas par quoi il remplace. Si moi, je mets un va te faire foutre qui s'impose, je ne sais pas par quoi il le remplace. Je ne le saurai jamais. Il se démerde en plateau. C'est vrai que moi, je ne suis pas informé. Donc, parfois, il m'arrive... Je demande systématiquement, quand j'ai fini une adaptation, à ce qu'on me maile le texte tel qu'il a été tapé, pour qu'au moins, je vérifie si déjà, il a été bien compris. Après, il y a évidemment les vérifs qu'on fait avant l'enregistrement pour bien voir que je n'ai pas dit de conneries, que c'est synchro, etc. Mais après ça, ça nous échappe. Donc, en principe, moi, j'ai validé ma version, mais c'est vrai qu'on peut en faire ce qu'on veut après. Alors normalement, l'idéal, entre guillemets, évidemment, parce que ce n'est pas du tout idéal. Et l'idéal, c'est parce que très souvent, les chaînes peuvent vérifier après l'enregistrement. D'où les retakes. À l'époque, ils n'étaient pas payés. Donc on avait ça, le retake. Maintenant, ils sont payés. On n'aurait plus que ça. mais il y avait donc... Les mecs de la chaîne ne vérifiaient pas le texte. Ils vérifiaient ensuite, après l'enregistrement. C'est bien qu'ils nous en veulent, de ça. Ah bah oui. Bien sûr. Ah, ça leur fait très mal. Ça, c'est la haine. Là. Ouais, c'est pas mignon. On a réussi à leur faire payer ça. C'est fantastique. Ça a été 8 heures d'engueulade monstre et c'est pas fini. Et ils veulent revenir là-dessus. Je suis sûr que la qualité s'en ressent. C'est-à-dire que du coup, il y a moins de retail, donc du coup, il y a moins. Il y en a encore des invraisemblances totales, mais moins. Un petit peu moins. Voilà. Et donc logiquement, ton texte, en fait, est vérifié avant l'enregistrement. C'est ce qu'on demande. Avant l'enregistrement est vérifié et changé, évidemment, il y a plein de trucs qui sont changés. On corrige. En accord avec l'auteur, le sous-titreur, parce qu'on travaille beaucoup avec le sous-titreur. Et après, en revanche, on ne peut plus y toucher. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, ça devient, avant, on pouvait, je veux dire, simplement, nous on joue, on est dans l'humeur du personnage. Une intonation, un truc comme ça. Oui, mais c'est même plus une intonation, c'est même un texte que tu ne peux pas dire. Ton personnage, curieusement, il ne peut pas le lire. On va accrocher dessus, on se dit, pourquoi on accroche dessus comme ça? Parce que c'est pas le bon texte, ça ne rentre pas dans son humeur. Donc nous, et même sans le faire exprès, de temps en temps, on change le texte, mais même totalement. Des fois, c'est une phrase qui n'a absolument rien à voir, c'est le même sens, mais ce n'est pas du tout les mêmes mots. Et ça me passe très bien, parce qu'on est dans l'humeur, parce qu'on est dans le jeu. Maintenant, ça, on ne peut plus. C'est-à-dire que ça m'arrive même de le faire sans m'en apercevoir. Et Philippe Béthieu qui me dit Je lui ai dit, je me souviens, il m'a dit non, c'est vérifié. C'est vérifié. Ah oui. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un petit peu difficile. Non seulement l'auteur est méprisé, mais le spectateur aussi, parce que quelque part, on va peut-être, en tant que spectateur, mieux se retrouver dans cette interprétation-là que dans la vérification. Au final, c'est bien vrai qu'il s'arroge un petit peu le contrôle. Il y a un autre cas de figure qui est assez intéressant, c'est quand le sous-titrage a été fait avant le doublage. Et si une connerie a été glissée dans le sous-titrage, un contresens ou un truc, il faut qu'on fasse la même connerie. Parce qu'il faut voler. Si les gens mettent le sous-titrage, le temps qu'ils s'aperçoivent que c'est une connerie, mais en tant qu'auteur, puisque le sous-titrage, c'est anglais, enfin c'est américain, vous qui le traduisez en français. Par exemple, Jacqueline Cohen, vous avez aussi des cahiers des charges. On a un cahier des charges théorique, il n'y a rien à téléphoner à 3h du matin, mais on sait très bien que les gens rient à ce moment-là en français. On n'a pas le droit de mettre, ou en tout cas ce qui va être corrigé. C'est pas drôle en anglais. Mais c'est vrai parce que quand il y a le beau-frère qui vient, je dis aussi de passer des choses. Je trouvais rien de drôle, les gens passent synchrone, et j'ai trouvé un truc synchrone, c'est le mur des lamentations religieuses. Il vaut mieux les éviter. Mais les homologues américains, vous l'avez pas. C'est drôle. Non, mais non, mais qu'ils l'acceptent en même temps. Ils l'acceptent. Non, mais ils se connaissent très bien. Ah, d'accord. Oui, oui. Ça, c'est vraiment. Ils se connaissent bien. Ouais, c'est une bonne. Vous avez peut-être d'autres anecdotes à Il n'est pas assez vieux pour ça. C'est trop jeune encore. On a eu une réunion il n'y a pas longtemps au CNC, enfin non pas au CNC, à la Fédération des distributeurs du film, sur la grosse réunion DADR. Donc, et il y avait des chaînes, des distributeurs, les indépendants,
les syndicats, les patrons, tout ça. Enfin, pas les patrons, ils viennent jamais. Jamais. Et il y a un mec qui arrive, je ne sais plus ce qu'il met dans Warner ou autre, avec ton bouquin. Ah bon? Et il dit, ah, il y a un bouquin sur le doublage qui est sorti. Et alors, monsieur Gall, vous dites des conneries, hein, ça vous fait plaisir, enfin, on parle de vous. Voilà, alors je lui dis, bon, pas plus que d'habitude. Alors il dit, mais non, non, je blaguais, il faut le lire, il a dit. Il a dit à tout le monde, il faut le lire. Alors, voilà, je t'ai fait ta promo, quand même. Un petit truc personnel, un livre sur le doublage, si vous voulez le vous le procurer, il y a un stand au premier étage qui est devant. Une petite anecdote, ce serait sur le... Parce qu'on parlait des films anciens, genre les films des années 50, etc. J'ai doublé récemment le Scarface de Howard Hughes, de 1933. Paul Muni, ça c'était extraordinaire. C'est extraordinaire à faire, effectivement. D'abord, c'est extraordinaire à voir le film. C'est, t'as l'impression que les mecs, ils ont que des voitures de collection. Ça, c'est fantastique. Mais en même temps, on rame, quoi. Parce que là, on n'est pas du tout dans la même énergie, mais du tout. C'est, alors là, on voit vraiment une évolution, un changement en tout cas. Oui, une évolution du jeu, qui est spectaculaire. Et c'est vrai que. Bon, c'était passionnant de le doubler, mais en même temps, c'est pas terrible. Enfin, en même temps, tu vois, on n'est pas... Voilà. C'est dur de se remettre dans le contexte. C'est dur de se mettre à jouer, et puis c'est un contexte qu'on ne connaît pas du tout, en fait, tout simplement. Et quand on parlait de la voix tout à l'heure aussi, en disant, est-ce qu'on change de voix lorsqu'on double Kiefer Sutherland, lorsqu'on double Goldorak, lorsqu'on double Voltaire, dans les dessins animés, oui, on change de voix parce qu'on s'amuse, etc. Mais dans les... souvent, on peut avoir des voix différentes, ou en tout cas des intonations différentes, parce qu'on n'est pas aussi dans la même énergie. C'est-à-dire que c'est simplement un personnage comme Kiefer Sutherland en train de courir après un hélicoptère n'a pas la même voix qu'un personnage de Bergman, voilà, avec une tête de thé. Donc c'est ça aussi souvent, on a cette sensation. Et on a aussi l'original, mais comme tu disais tout à l'heure, l'original qui nous amène à dans le souffle et tout. Ah moi, dans la Sentinelle, c'est comme toi, lui, qui apparemment, il a des problèmes... de santé, quoi. Vraiment. Donc, voilà, je ne peux pas le suivre à ce point-là. Mais c'est vrai qu'on a tendance quand même à suivre un petit peu... Non, mais pour corroborer ce que tu dis, je pense que l'acteur au doublage ne peut exister que s'il a une vraie humilité. Mm-hmm. Et c'est ça qui lui permet de se changer intérieurement sans tricher, par rapport à l'image qu'il reçoit. Et c'est là où je condamne toujours quand des gens extérieurs veulent faire ce métier parce qu'il y a du fric à prendre et qu'ils passent devant l'image. Alors que nous, on essaye d'être toujours derrière et au service de la tronche qu'on a à l'écran. Mm-hmm. Et ça, c'est une question d'humilité uniquement. Mm-hmm. Parce que ce n'est plus le moi qu'on sert, c'est le lui. Et ça, c'est une démarche intellectuelle, artistique, qui n'est pas facile à demander à des gens qui ont déjà bon, etc. un ego, et un ego très travaillé. Il faut savoir perdre son ego pour pouvoir être l'autre et pas soi. Quoi. Et c'est un boulot, mais ça c'est intéressant à faire. Oui, c'est d'autant plus intéressant que moi, par exemple, je pense vraiment que le doublage, en tant qu'expérience, m'a vraiment fait évoluer mon propre comédien. Oui, alors, là-dessus, bon, certainement, peut-être, et aussi sur la disponibilité. Oui. Parce qu'on a tellement de disponibilité, ça. Tu vas passer dans la même journée d'un personnage, une espèce de dingue hystérique, à justement un mec très posé, etc. Donc, mais vu la rapidité à laquelle on nous demande ces changements-là, enfin, puisqu'on n'a pas, c'est vraiment rapidité, efficacité. Donc, on apprend petit à petit à faire à avoir cette disponibilité-là. Et bien, sur un tournage de film ou sur une répétition de théâtre, tu le sens, ça. Sûr. Vraiment, je te jure. Ah, oui. Quand on te dit, non, c'est pas ça, c'est vas-y, change un truc, toc. Enfin, t'as le... Anecdote, Bernard Murat, qui en a fait beaucoup à l'époque, puisque même, c'est lui qui m'a passé le bâton au syndicat à l'époque, qui m'a demandé, et il n'y a pas si longtemps encore, répété et piqué une colère. Bon, je vais prendre des artistes de doublage, au moins eux, ils sont disponibles tout de suite. Ah, bah, non, mais c'est vrai, il y a la disponibilité. J'ai vu, moi j'ai travaillé parce que j'ai dirigé sur un film l'année dernière avec des comédiens. Sincèrement, quand tu diriges et que tu donnes des indications, tu vas expliquer, il faut vraiment. Ça dépend des comédiens, hein, mais il y a des comédiens qui ont vraiment besoin d'explications intellectuelles, etc., de se préparer, tu vois. Oh, t'as envie de dire, mais, vas-y comme ça.
C'est pour ça que je parlais de gamme tout à l'heure. Ça permet de travailler techniquement, et puis après, parfois, il y a la sensibilité, mais au moins techniquement, si on doit aller là, ah bon, voilà, c'est tout. Ce qui n'enlève aucune sincérité, mais il y a toujours un a priori. Moi, il n'y a pas longtemps, je tournais dans une série française et je rencontrais le réalisateur. Il me dit, et j'avais été présenté par un récurrent de la série. Alors, il me dit, mais comment vous l'avez connu là? Ben, sur un plateau de doublage. Ah, vous faites du doublage? Je dis, oui, je fais du doublage. Et il commence à me dire des trucs sur les doublages, les acteurs doubleurs, les acteurs faisaient du doublage, faisaient de la voix. Avait des tics, avait des habitudes. Alors, écoutez, ce n'est pas mon expérience, mais peut-être que vous avez raison. Moi, il avait des qualités quand même, ce type à côté, mais bon, bref. Oh, j'avais pas de doute, parce que ça fait quand même longtemps que je les pratique, les comédiens, et j'ai confiance en eux. Je trouve que les comédiens de doublage, en général, les comédiens qui font du doublage sont des bons comédiens. Et le soir même, je vois un téléfilm français, et à l'intérieur, il y avait Patrick Fleurschein, que vous connaissez sûrement. Voilà, qui est un excellent comédien. Et dans ce téléfilm, il était là, il avait un rôle assez important. Alors je regarde, etc. Eh bien, je suis désolé, c'était lui qui avait le plus la pêche, le plus en situation, c'était largement le meilleur. Or, il en vend, il en a déroulé de la magnétique. Et il est toujours un acteur sincère, et il est plus péchu, il est plus dans l'énergie. Et ça m'arrive très souvent, je vois des copains qu'on rencontre en studio, je les vois à l'écran, et je me dis, ils sont bien meilleurs que ces acteurs de poule, parce que vous savez, les chaînes ont des poules d'acteurs maintenant, qui sont mous, qui ne comprennent rien, qui savent pas. Alors c'est méchant ce que je veux dire, mais il y a une mauvaise réplique, il rectifie pas, il dit c'est la mauvaise réplique. Tandis que nous, on a tellement l'habitude, on change, et moi je trouve que il y a de plus en plus de comédiens qui font du doublage, et tant mieux parce que ça assouplit. Il n'y a pas que les réalisateurs, parce que je me souviens en 69, il faut dire qu'on s'était beaucoup accrochés en 68, Jean-David et moi. Mais en 69, Raymond Loyer m'appelle et me dit, attends, on a rendez-vous avec Sylvain Montfort, c'était pour jouer une tragédie grecque. J'étais très content. Et Jean-David a dit, ah non, Pagal, il fait du doublage. Jean-David. Lui pourtant, qui était un référent. J'ai fait la pièce et avec lui en plus. Mais je lui ai dit. Et ça, tu me le feras plus, Jean, quand même. On va peut-être conclure. En plus, on avait joué Antigone et l'Annoncette à Marie. En tournée aux États-Unis, donc on se connaissait bien. En conclusion, peut-être des questions. Bah oui, parce que récemment j'ai vu que Jean-Pierre Michel, qui est la voix de Brad Pitt, entre autres, avait participé dans un rôle principal sur une série de TF1, je crois bien. R.I.S. Oui, je crois qu'est la, on va dire, l'adaptation française d'une série américaine. Est-ce que vous, comédien, ça vous fait plaisir que un dont j'aime pas dire ça, mais puisque je suis aussi du théâtre, et autre chose est passé entre guillemets de l'autre côté. Ah, alors ça, c'est parce que vous connaissez pas sa carrière. Non, oui. Ça, c'est Jean-Pierre Michel, c'est autre chose. Oui. Il est sociétaire de la Comédie Française, il était pensionnaire et sociétaire. Il est parti, donc il a fait une carrière en français, et puis il doublait exclusivement des 35 mm, de prestige, etc. Et puis, il a quitté le français, puis il a fait cette série. Je ne dis pas que c'était accessoire pour lui, parce qu'il en faisait pas mal, mais c'est sa vie première, c'était la Comédie Française. Ça me fait plaisir, mais je trouve la série nulle. Et par contre, un comédien. On adapte aujourd'hui, ça se comprend. Tu connais un comédien Vincent Grasse? De nom. Oui, de nom, qui est un formidable comédien. Une chance, et il nous l'a mêlé parce qu'il était content, et je suis vachement content pour lui. Il va faire un rôle important dans le Walt Disney américain. C'est fabuleux, je suis content. Non, parce que si tu veux, nous, ça, c'est, on n'est pas content ou pas content, c'est une évidence. Oui. C'est-à-dire qu'évidemment, on va voir nos copains avec qui on fait accessoirement du doublage, on va les voir au théâtre, effectivement, enfin, tu vois, c'est, le doublage est un métier satellite de comédien comme la pub, on fait du doublage, mais la plupart des comédiens, sinon pratiquement tous, jouent au théâtre, jouent dans les séries de télévision, font leur métier, font des films, font... Patrick Poivret, tout ça, bien sûr. Oui. Il y en a qui...
moi, par exemple, c'est vrai que je fais beaucoup de doublage. Enfin, vraiment, c'est une activité forte. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'essaie de tourner aussi, ou dans des cours, ou dans des... Enfin, c'est aussi notre métier. On va être obligé de conclure parce qu'on a un autre débat dans un petit quart d'heure, 20 minutes. On va remercier nos trois invités. Oui, moi une fois, oui. Oui, parce que le réalisateur qui était là me donne un truc à doubler au dernier moment, etc. Et j'ai dit ça, non, c'est pas pour moi, je vais être mauvais. Quand ça fait 10 ans que tu me connais, que c'est la première fois que tu me proposes un truc, je vais pas commencer par une merde, je quitte le plateau, je suis parti. N'oubliez pas votre jacket. Ben écoute, non, on fait ce qu'il faut. Hein. Aussi au niveau de la DADR, au niveau de la DAMI, les ayants droit, c'est très suivi. Mais tu peux toujours prendre mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Alors, je vais dire. Je ne donne jamais mon portable parce que je n'ouvre jamais. Par contre, je te donne le mail. Comment vous faites pour des séries, pour toucher des droits sur des séries, on va dire anciennes, où vous avez plus des DADR. Vous n'avez pas forcément la fiche. Non, ça n'a rien à voir. La DADR, l'accord sur les droits, il y a trois périodes. La période des doublages effectués avant 1986. Ouais. Ceux-là seront payés par la DAMI. Je travaille dessus sur le listing des artistes et sur le listing des sociétés de doublage. Et il suffit de donner une feuille de salaire pour une par année pour toucher, puisqu'on sera plus très nombreux, des droits sur ces sur les œuvres enregistrées avant 86, rediffusées ou réexploitées à partir de 2004. Voilà. Donc là, c'est suivi. Non, parce que c'est pas facile, parce qu'en fait, Philippe est très maniaque. Donc, depuis le début de sa carrière, il a tout noté dans ses archives. Oui. On n'a pas trouvé une fiche de paye en 87. Alors, pour Philippe, qui n'aura pas ses feuilles de paye, et on l'a précisé pour certains vieux comédiens qui ont jeté ou égaré, j'ai demandé, j'ai obtenu, malgré Serge Vincent, qu'on fasse un comité d'experts qui accordera, suivant la notoriété, des années de droit sur ces périodes-là. Par exemple, je pense à d'autres vieux comédiens qui n'ont pas les feuilles de salaire, on leur accordera leurs droits réels. Et j'étais encore à l'ADAMI la semaine dernière là-dessus. D'accord, donc ça risque de se faire. Ils vont tous recevoir une lettre dans un mois à peu près. Moi, je sais que ça peut me solliciter un peu pour faire les... Comme je connais très bien sa carrière, et je regarde un peu pour les produits, alors, notamment. Si tu en occupes, il n'y aura aucun problème. Il faudra simplement... on a déjà envoyé des courriers, il y a déjà sur le site ADAMI tout ce qu'il faut pour toucher de la DADR sur avant 86. Ouais. Il suffit d'écrire une lettre circonstanciée en disant « Moi, ayant droit ou assistant de Philippe Dumas, certifie qu'il a travaillé toutes ces années-là dans telle et telle société, autant le mettre, qu'il a doublé entre autres ça et ça, donner le maximum d'éléments, même sans feuille de salaire. Ouais, » ouais. Voilà, par exemple... Je sais qu'elle a fait une demande à la Sophie et eux, ils ont fait un... récapitulatif de carrière. Récapitulatif de carrière. Mais je sais... Garder autant d'informations. Si, Hernandez a tout jeté, ce con. Gérard Hernandez. Il a plus une feuille de salaire. Le grand schtroumpf. J'ai dû appeler pour moi, comme il débrouille avec Salva depuis la grève, c'est moi qui lui ai appelé Salva pour qu'il lui fasse sa reconstitution de carrière payante. Et pourtant, il en a fait. Elle est énorme, sa carrière. Énorme. C'est énorme. Il a tout jeté. Parce que je connais très bien aussi Carrel, Jacques Siron, Roger Carrel. Carrel, lui, il est allé à audience avec ses valises. Je lui ai dit, il est allé avec ses valises. Non, avoir un paquet aussi. Quoi. Là. Carrel, oulala. Ah oui, 400 voix, je crois, non? Au plus, enfin, plus. Carrel, c'est fou. C'est phénoménal. Et Francis Lax, est-ce que vous avez des contacts avec Francis? Je n'ai plus de contact avec Francis Lax, puisque je n'ai plus de contact avec qui que ce soit, mais Lax, je ne l'ai pas vu plus longtemps. Et comme il ne travaillait plus qu'à la Sophie, que la Sophie m'a interdit depuis 20 ans, je ne le vois plus. Il paraît qu'il y a... Il a un problème, il a un cancer de sourd, un cancer de la gorge. Il est gaga. Je le connais chez mon dentiste où il arrive quand il n'est pas convoqué, pas le bonjour et pas la bonne heure. D'accord. Ok. Non, les questions que j'avais à vous poser, c'était par rapport à Goldorak. Oui.
Bon, les souvenirs sont peut-être un petit peu lointains, mais est-ce que vous avez des souvenirs? Comment se passait, comment se passait la préparation de l'épisode, l'enregistrement sur un épisode? On prépare rien, nous. C'était... On prépare rien. Pour, ouais. On arrive sur le plateau à 9h, et puis le texte défile, et on le lit. Okay. Et on le dit, c'est tout. Okay. Et puis on dit, ah, Michel, ça va pas, tiens. Ah, mais tu fais ce que tu veux, mon grand, tu changes. Ah, ce nom, il me plaît pas. Mais attends, on va changer, voilà, ouais, bon. Puis c'est comme ça. Ça d'accord, ah, c'était ça. Pas... ah, ça s'est vous aviez pas du tout de rôle concernant peut-être l'écriture même du... Ah, mais l'écriture, c'est Michel. Quand t'es arrivé, la bande rythmo est écrite. Okay. On n'a plus qu'à lire la bande rythmo qui défile à 9h du matin, tout est prêt. D'accord. Nous, en principe, on a juste à interpréter, c'est tout. Okay. Et est-ce que vous aviez pris du plaisir à l'époque sur ce débat? Ah ouais, c'était sympa, c'était bien marré, oui, ouais. Bien sûr. Oui. Parce que c'est vrai que Goldorak, bon, vous n'en rendez peut-être pas compte, mais ça restait quand même assez emblématique pour toute une génération qui est la mienne. Ah mais complètement. C'est... complètement. Et vous voir remarquer. Parce que je vois par exemple mon actuelle concubine, qui travaille à la Côte d'Orep ou autre, elle a un petit psychologue là qui est électrique, et puis bonjour, il se met à parler de Goldorak comme un fou. Je lui dis, attends, je vis avec Goldorak. Le mec, quoi? Il était fou. Ça me fait marrer. Moi, un truc marrant à la con. Ah, je ne sais plus, il y a 2 ans, je vais à la gare Montparnasse, il fallait que je descende dans le sud-ouest de toute urgence. Et le mec, regarde, je me dis, mais il n'y a pas de train, il n'y a pas de poste, tout est bourré. Parlez-moi encore. Je n'ai pas fait une voix, Goldor. J'ai dit, oui, Goldorak. Oh, j'ai une place pour vous, j'ai une place. C'est magnifique. C'est rigolo. C'est super, bah oui. C'est rigolo. Des anecdotes qui font... Ouais, ça me fait marrer, ça. Et c'est vrai que, moi, la question que je me posais, c'était par rapport à la carrière, surtout de M. Gatineau aussi. Parce que c'est vrai que l'adaptation de Goldorak était excellente, c'était du très bon français. Et je me demandais s'il avait fait des études de lettres ou quelque chose pour signer justement une adaptation aussi. Sa femme était écrivain. Oui. Elle l'aidait. Non, Michel était un homme cultivé. Je ne sais pas ce qu'il avait fait comme étude, mais enfin, il travaillait énormément. Ouais. Il bossait énormément. L'adaptation d'Edéric était aussi un très bon français et extrêmement synchrone. Ah oui, c'était un bosseur. Il y a un travail sur tout ce qui est dirigé par Michel Gatineau qui est vraiment très bien fait. Fantastique. Très bien fait. Et moi, je le sais parce que quand il est mort, il avait écrit 10 d'Edéric d'avance que j'ai dirigé et qui était très bien écrit. Okay. Ensuite, on les a filés à quelqu'un d'autre et c'était de la merde. Ouais, mais ça m'étonne pas. Et c'est vrai que les dessins animés par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse évolution au niveau des dialogues. Oh. C'est devenu catastrophique. Il y a eu la première vague donc, qui était très bien doublée. Oui. Ouais, mais Michel, en plus, avait une position de force chez Stemmer et il se faisait payer bien. Mm-hmm. Et maintenant, français, con, avec qui je me suis brouillé pour 165 euros. Mmh. Oui, ils m'ont con, quand même. Sauf que tous les autres m'ont lâché, hein. Ils m'ont laissé aller seul. Eux, ils ont continué la série sans être payés. Ah oui. Oui. Et voilà, c'est beau ça. Mais par contre, ils ont touché la DADR, ils étaient bien contents. Et bien, Francette, elle fait venir un auteur et elle le paye en dessous du tarif et elle ne lui paye pas la détection. Tu l'as fait toi-même. Et j'ai vu des auteurs travailler sur un magnétoscope pour faire la détection. De maison, familiale. Ben oui, c'est de la merde. Ouais, les conditions, à mon avis, sont détériorées. Oh là là, bon, terrible. Est-ce que je peux vous demander également quelques petites répliques cultes de Goldorak, du style un petit Goldorak Go? Ah oh, ben, Goldorak Go, Cormo Fungur, Astéro H. Voilà, c'était ça. Voilà. Merci. Bon, il faut que je rentre. C'est très gentil, ouais. Je suis désolé de vous avoir retenu.